Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce webinaire Proléo Bio, donc pour les régions centre et ouest de la France, donc qui va traiter bien évidemment des oléoprotéagineux conduits en agriculture biologique. Donc ce webinaire va comprendre quatre interventions d'une demi-heure environ, avec donc une demi-heure y compris une période hein, de questions-réponses hein, pour échanger avec les différents intervenants. Donc la première intervention donc sera conduite par Cécile Le Gall hein, de Terrinovia pour présenter les résultats du projet Sécol Bio, un projet de 3 ans national qui vise à sécuriser l'itinéraire technique hein, du colza conduit en agriculture biologique. La deuxième intervention de Patrick Carré de Terrinovia également qui nous parlera de la transformation à la ferme avec deux focus, hein, un focus évidemment sur l'huile hein, puisqu'on parle des oléagineux ainsi que du toastage du soja. La troisième intervention sera animée par Claire Ortega de Terre Univia qui nous dressera un panorama des différentes filières des oléoprotéagineux en France avec un focus sur la zone centre et ouest, hein, donc le Grand Ouest hein, de la France. Et la dernière intervention de Cyril Blain de Terena, qui nous parlera un petit peu des opportunités et des perspectives du tournesol donc pour le Grand Ouest et évoquera notamment le nouvel outil de trituration oléosine. Donc quelques règles de fonctionnement bah, afin de faciliter les échanges, évidemment, vos micros et vos caméras sont coupés. C'est un webinaire qui est enregistré et qui sera disponible derrière en replay sur YouTube. Tout au long des interventions, vous pouvez poser vos questions en utilisant le chat. Ces questions feront l'objet d'une réponse, soit par écrit, directement par les différents intervenants ou modérateurs, soit à l'oral, et je me ferai votre porte-voix pour poser ces questions. Le replay et les présentations seront disponibles après l'événement, avec un envoi des différentes présentations plutôt début de semaine prochaine. Les différents intervenants viennent bah, du Grand Ouest, bien évidemment, et vous pouvez voir comment que s'appelle, où sont basés vos différents intervenants, ainsi que leurs adresses mail si besoin. Après cette brève introduction, Cécile, je vais te laisser prendre la première partie. Merci Thomas. Excusez-moi, j'avais un petit problème pour lancer le partage. Est-ce qu'au niveau de l'écran, ça passe bien? Ouais, c'est super. Parfait. Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Donc, Cécile Le Gall. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui en fait d'un projet qui a été mené en fait à l'échelon national et qui porte en fait sur la sécurisation de la production du colza en conduite biologique, de son petit nom et de son logo, celui qui s'affiche à l'écran, donc Sécol Bio. Et c'est un projet qui a été soutenu par le ministère de l'Agriculture et par Cap Protéines sur les deux années précédentes. Donc juste un petit mot pour vous introduire le sujet sur la production de colza bio en France. Donc si vous regardez le graphique présenté à gauche et que vous allez jusqu'à l'année 2015, vous pouvez voir qu'on était sur une production relativement stable, hein, aux alentours, j'allais dire, de 1 000 hectares implantés par an et une collecte qui tournait entre 500 et 900 tonnes par an, donc tout petit. Et puis à partir de 2015, on a vu donc une envolée des surfaces, surtout une envolée de la collecte avec un point culminant. J'ai dit en 2021-2022 avec plus de 15 000 tonnes collectées, qui a été bien évidemment soutenue par la dynamique de conversion que l'on a connue, et puis j'allais dire par un investissement plus particulier sur cette culture dans certains bassins. Sachant qu'aujourd'hui, le colza bio est majoritairement produit donc dans le sud-ouest, hein, avec la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, j'allais dire en tête de pont, et puis en troisième position dans les Pays de la Loire, et si on voulait rajouter une quatrième position aujourd'hui, ce serait la Bretagne. Pourquoi donc avoir eu autant d'arguments autour du colza bio? Eh bien, au niveau des agriculteurs, on a vraiment le retour qu'ils sont très demandeurs en fait pour pouvoir diversifier les rotations, en particulier en nord de la France, en fait, sur les sols à dominance de cultures d'hiver. Laval est historiquement en attente, hein, j'allais dire, de la production de colza bio. Alors, au départ, avec une dominante vraiment pour la valorisation de son huile, mais on voit apparaître depuis quelques années, notamment avec les changements réglementaires qui sont intervenus ces dernières années sur le passage au 100% bio pour l'alimentation animale, on voit monter une demande en fait pour du tourteau de colza.
Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc c'est une production qui est majoritairement concentrée dans le sud de la France. Donc, c'est-à-dire que si demain on doit produire du colza bio ailleurs, c'est assez difficile finalement d'arriver à extrapoler l'expérience qu'on a pu en avoir sur ce bassin-là, sur les autres bassins. Donc, l'une des premières questions qu'on s'est posées dans le cadre du projet, bah, finalement, sur les différents, quels sont les principaux facteurs limitants qui viennent freiner en fait la production de colza bio? Est-ce qu'il y en a des communs? Est-ce qu'il y en a des spécifiques aux différents bassins? Et ce que l'on savait déjà quand même quand on a, j'allais dire, initialisé le projet, c'est que pour produire du colza biologique, la phase clé de cette culture, ça, c'est l'implantation, hein, comme conventionnel. Et donc, on s'est posé la question directement, voilà, des leviers qu'on pourrait mettre en œuvre pour la sécuriser. Et donc, pour répondre à ces différentes questions, donc il y a un projet donc, qui a été monté, donc c'est ce que je vous disais, financé par le CASDAR, donc par le ministère de l'Agriculture, associant Terrenovia et 13 partenaires qui vous sont listés là tout en bas. Donc vous voyez qu'il y a une grande participation des chambres d'agriculture, des OS et des GAB. Et 13 partenaires qui couvrent les différents bassins de production du colza bio, petits ou grands. C'est un projet donc qui est organisé autour de quatre actions techniques et aujourd'hui on va faire un petit bilan sur des deux actions qui vous sont présentées en fait le plus à droite. Donc la première action qui est justement d'arriver à caractériser, hiérarchiser les facteurs limitants à travers des observatoires agronomiques de culture. Donc un observatoire agronomique de culture, c'est un grand mot qui veut dire que sur des parcelles agriculteurs, en fait, on va suivre le développement du colza du semis jusqu'à la récolte avec plusieurs dates clés en fait de visites qui vont nous permettre de pouvoir regarder les différents paramètres qui vont caractériser le développement et l'état physiologique du colza et puis aussi toute la pression, j'allais dire, des bioagresseurs, que ce soit ravageurs, maladies et surtout adventices, et aussi de se renseigner tout au long justement de la campagne sur les différentes données d'itinéraire technique qui ont pu être mises en œuvre sur la parcelle. Et à la fin, ce que l'on souhaitait aussi, c'était de récupérer un échantillon de graines pour faire des analyses et voir en fait notamment où est-ce qu'on se situe en termes de taux d'huile, en termes de taux de protéines. Alors, dans le cadre de cette présentation, moi, je vais me focaliser sur les résultats qui sont issus, voilà, de cette première phase, la clé qui est l'implantation et donc qui avait fait l'objet de trois visites sur les différentes parcelles. Sachant que ce qu'on avait souhaité, c'était conduire cet observatoire agronomique en fait sur trois campagnes pour avoir justement, j'allais dire, l'influence du climat sur les différents résultats. Donc là, vous avez la localisation des différentes parcelles qui vous est présentée sur la carte au centre, sachant qu'on a choisi en fait a posteriori de redécouper en fait l'observatoire agronomique en différentes zones, donc BFC, tout ce qui va concerner Bourgogne-Franche-Comté, la région centre, le Grand Ouest, donc qui regroupe le Bretagne et Pays de la Loire, le Nord, le Sud-Est qui regroupe donc la Drôme et le Rhône, et le Sud-Ouest qui va regrouper donc les Landes, le Gers, le Lot-et-Garonne et la Dordogne. Donc, vous pouvez voir qu'au final, sur les deux premières campagnes dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est 128 parcelles qui ont pu être suivies. Donc, ça commence à faire quand même un petit peu de données. Cette première action, elle a été donc complétée, comme je vous le disais, par une autre action qui était du test en fait de levier identifié pour réussir le colza. Donc là, on était bien sur des essais, expérimentations avec des leviers que l'on a choisi de regarder, donc pour des leviers qui avaient trait à l'implantation du colza, donc tout ce qui était densité de semis et association à une plante campagne, dont on verra des résultats tout à l'heure, avec 16 essais qui ont été menés sur deux campagnes. Vous pouvez voir en vert et en bleu en fait ceux qui ont été menés à terme en 2021 et en 2022 respectivement. Et puis vous pouvez voir que malheureusement, il y a quand même une partie de ces essais, les petits points rouges qui n'ont pas pu être menés à terme, en particulier sur la zone du Grand Est qui a été pas mal sinistrée ces deux dernières années au niveau pluviométrie dans l'implantation, ce qui a conduit à, voilà, à l'échec des différents essais malheureusement. Donc, si l'on passe sur les premiers résultats que l'on peut sortir au niveau de l'observatoire, donc on avait regardé notamment via les données que nous ont fournies l'agriculteur finalement, comment était conduite la période d'interculture, sachant que pour la conduite d'une culture bio, colza bio en particulier, mais on sait très bien que notamment tout ce qui va pouvoir être travail du sol va jouer derrière sur la maîtrise des adventices dans le reste de la culture. Donc ce que l'on peut dire, c'est qu'avant le colza, on a environ 2 à 4 passages d'outils qui sont réalisés, avec des différences en fonction des bassins qui vous sont cités en dessous du graphique présenté à gauche. On peut dire que c'est un nombre relativement élevé de passages. À l'intérieur de ces passages, il faut savoir que sur 50% des parcelles, il y a eu un labour qui a été réalisé.
sachant qu'on a une grande dichotomie en fait finalement entre le sud-ouest et les autres régions, parce que sur le sud-ouest, on est sur des sols à dominance argileux et il y a moins de labours, mais plus de passages par contre d'outils plus superficiels. À savoir aussi qu'en discutant avec les partenaires, on voit bien que la fréquence en fait du passage des outils, même si ce n'est pas dit par l'agriculteur en tant que tel, est liée notamment à la fréquence des pluies que l'on peut observer sur la période juillet-août. Plus on a tendance à avoir de pluie et plus on a tendance à avoir un nombre de passages un petit peu plus élevé. Sinon, un autre paramètre important pour bien comprendre en fait la gestion de cette interculture, c'est de regarder donc le précédent qui a été fait avant le colza. Alors là, je dirais, c'est comme pour les c'est comme courant conventionnel, on a une dominance en fait de céréales à la paille avec notamment du blé tendre d'hiver, avec des spécificités régionales qui se déclinent, notamment sur le Grand Ouest, on a beaucoup d'associations céréales et légumineuses, c'est 30% des précédents, et on retrouve des cultures d'été par exemple sur le Sud-Ouest. Le fait malgré tout qu'on ait quand même une grosse dominance en fait des céréales à la paille en précédent, ça influe notamment sur tout ce qui va être préparation du sol pour la gestion des résidus et surtout la gestion des repousses, notamment en début de cycle, pour éviter en fait d'avoir une concurrence précoce trop importante de ces fameuses repousses de céréales qui pourraient venir vraiment concurrencer le colza, ce qui explique en partie ce travail du sol assez intense qu'on a pu voir sur la diapo précédente. L'autre point important que nous avions voulu regarder, c'était notamment aussi la date de semis, puisqu'on sait que c'est un facteur important pour pouvoir sécuriser la levée. Et si vous regardez le graphique de gauche qui représente en fait les différentes, j'allais dire les effectifs des dates de semis sur la période sur la campagne 2021 et 2022 à droite, on peut voir en gros que sur les deux campagnes, il y avait 25% des parcelles qui étaient semées avant le 15 août et on va dire entre 70 et 80%, donc avant le 1er septembre. Donc par rapport à l'objectif et au conseil qu'on peut faire sur ce critère-là, on voit bien qu'on est sur des dates de semis un petit peu plus tardives, en particulier parce que les récoltes des précédents avaient été tardives sur les parcelles que nous avions suivies. Et ce que l'on peut dire aussi, j'allais dire de manière très brève, c'est que pour les parcelles qui ont été suivies avec des semis qui avaient été faits en septembre, en particulier sur les secteurs du centre et de Bourgogne-Franche-Comté, on était sur des situations de croissance du colza qui étaient assez critiques. L'autre point important qu'il faut souligner, c'est que pour sécuriser le peuplement, il faut avoir donc la bonne densité de semis. Ce que l'on a pu voir en fait sur les observatoires, sur nos différentes parcelles, vous pouvez le voir sur le graphique présenté à gauche, qui vous montre en fait les classes de densité qui ont pu être observées et les effectifs de parcelles en ordonnée. On voit bien que le plus grand nombre de parcelles est sur des densités de semis qui sont entre 40 et 70 grammes mètre carré, ce qui est quand même très très élevé, sachant que pour les densités, les plus élevés, on était sur des semences de ferme. Ce qu'il faut voir, c'est que sur la majorité en fait, des parcelles, on était sur des semis aux semoirs à céréales, donc pas de binage possible. Donc, on a une volonté de pouvoir couvrir le sol au maximum pour pouvoir gérer les adventices. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est de faire le lien entre ces densités de semis qui vous sont représentées sur le graphique en abscisse et les peuplements que l'on a pu observer finalement après la levée. On se rend compte que les peuplements malgré tout restent relativement contenus entre guillemets, on est sur du 40 à 60 plantes mètres carrés, y compris pour ces parcelles qui avaient des densités les plus élevées, ce qui nous pose beaucoup de questions quand même, comment on fait pour passer de 120 graines par mètre carré à 40 plantes. Et ce qui est rassurant aussi pour nous, c'est que ces peuplements relativement contenus permettent d'obtenir des biomasses par plante en entrée d'hiver qui sont à minima correct, c'est-à-dire que le seuil que l'on avait fixé pour définir un colza robuste, c'est 40 grammes par plante, excusez-moi, en entrée d'hiver. Et vous pouvez voir qu'à part une fois sur la région du Nord, on atteignait ce minimum avec quand même un bassin comme le Grand Ouest où on était par exemple largement au-dessus de ce minimum requis. Malgré tout, j'allais dire, tout ça nous interroge hein, quand on regarde ce graphique-là mis à gauche et finalement, on s'aperçoit qu'on a des fortes pertes à la levée. Et donc, la question qu'on se pose, c'est finalement, quelle est la densité à viser pour atteindre un peuplement qui nous paraisse suffisant pour que les performances du colza soient atteintes à la fin. Donc, c'était une des thématiques d'essais que l'on a menées dans le cadre de ces colbio, sachant qu'il y avait 10 essais menés et que vous voyez, en fonction des types de semoirs qui étaient présents sur les essais, on balayait en fait une gamme de densité de semis qui était entre 30 et 60 grammes mètre carré, voire
pour le semoir à céréales, quelques modalités optionnelles qui allaient un petit peu plus loin. Vous avez la répartition des essais, voilà, qui vous est montrée sur la carte. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des résultats des essais? Donc, si vous regardez tout d'abord le graphique présenté à gauche, donc vous avez les résultats en fait montrant le lien entre densité semée en abscisse et densité levée donc en ordonnée. Et on voit en fait que finalement, un peu comme ce qu'on avait pu voir sur les observatoires, on a des densités levées qui sont inférieures aux densités semées. Et ceci, en fait, vous est montré notamment au travers du tableau là qui vous est présenté à droite. Vous avez les différents essais, les pourcentages de pertes enregistrés avec, voilà, je vous ai spécifié les essais qui avaient été menés au semoir, avec un semoir monograine et un semoir à céréales. Donc, on voit qu'on a des pertes qui sont quand même très, très élevées, hein, qui vont naviguer entre 25 et 70%. Sur la plupart des essais, y compris sur la plupart des essais menés au semoir monograine, le meilleur, j'allais dire celui qui a eu le meilleur résultat, c'est celui voilà, de la Chambre d'agriculture de la Drôme en 2022, mais on est quand même déjà à 25%. Donc, ce qui veut dire que ces résultats nous montrent que, voilà, pour pouvoir atteindre les peuplements que l'on souhaite, on doit compter aujourd'hui voilà, sur un taux de perte à l'élevée qui est non négligeable. Et l'autre question que l'on s'est posée, c'est finalement, c'est quel est le lien entre les peuplements levés que l'on a pu atteindre et puis les rendements qui ont été mesurés à la fin sur ces essais. Alors, vous voyez plein de petits points sur le graphique de droite. Ce que vous pouvez regarder en premier, c'est les droites de tendance. Et vous pouvez voir que finalement, on a des droites de tendance qui, de manière globale, nous montrent que plus on augmente le peuplement, plus on a tendance à augmenter le rendement. Mais c'est, on n'a pas d'effet significatif en fait au sein des différents essais. Et la question qu'on s'est posée quand même, c'est que finalement, dans nos essais, comme on avait pas mal de pertes à l'élevée, si vous regardez le graphique de gauche, on s'aperçoit que les classes de peuplement obtenues, finalement, en majorité, elles tournaient entre 10 et 40 plantes mètres carrés. Donc finalement, c'est vrai que sur nos résultats d'essais, on ne voit pas beaucoup de liens entre le rendement et le peuplement obtenu, mais quid en fait de résultats qu'on aurait pu obtenir sur des peuplements plus élevés, par exemple, si on avait plus de peuplements à 40-50 plantes mètres carrés. Donc voilà, la question reste encore ouverte à l'issue de ces 2 ans d'essai. L'autre point important que nous avons suivi donc, sur la phase automnale pour le colza, c'était finalement comment étaient gérées les adventices au niveau de la parcelle. Donc, on a pu voir, on en a parlé, la gestion des adventices, elle va dépendre en fait du précédent qu'il va y avoir sur la parcelle, du travail du sol en interculture, bien évidemment du désherbage mécanique et notamment si l'option binage a pu être activée ou pas. Mais majoritairement, le colza doit compter en fait beaucoup sur lui-même, donc finalement sur la couverture du sol qui va pouvoir être établie par le couvert et sur le pouvoir concurrentiel vis-à-vis des adventices que ce couvert va pouvoir générer. Et donc là, on va jouer donc sur la densité de semis, comme on a pu le voir avant, et puis aussi sur un autre levier qui est l'association à des plantes compagnes. Alors, si l'on fait un petit tour d'horizon finalement des adventices qui étaient présentes sur les parcelles, hein. Donc là, vous avez 2 camemberts qui vous représentent, voilà, les adventices qui ont été notées parmi les 3 adventices les plus présentes, d'un côté au stade 4 feuilles et de l'autre côté en sortie d'hiver. Au stade 4 feuilles, on voit en fait qu'on a une dominance notamment de chénopodes, d'amarantes, donc de flore d'été, qui ont, j'allais dire, quasiment complètement disparu en sortie d'hiver. On s'y attendait, elles ont gelé. On avait quand même déjà, au stade 4 feuilles, finalement, là, le petit bout de camembert vert, là, à 9%, des repousses de céréales qui étaient déjà présentes, hein, ça on s'y attendait parce qu'on a pas mal de précédents céréales. Et on voit qu'en sortie d'hiver, finalement, cette partie de repousses de céréales est toujours bien présente et on a en fait une pression de graminées qui est apparue entre les deux et qui va pas mal nous embêter. Donc voilà, cette gestion, j'allais dire graminée et repousse de céréales, c'est vraiment le point clé sur cette partie gestion des adventices en colza. Ce qui est important de souligner, c'est que pour gérer les adventices, c'est ce que je vous disais, il va falloir établir un couvert bien concurrentiel. Et l'un des leviers qui a été activé sur l'ensemble des parcelles, ça a été la fertilisation organique. Tous les colzas quasiment sur l'observatoire ont été fertilisés au semis, majoritairement avec des fientes et puis avec des fumiers, ce qui a permis justement que le colza puisse partir le plus vite possible et établisse une biomasse importante dès le départ.
Je vous disais aussi, c'était que pour justement arriver à gérer les adventices en culture, on pouvait avoir recours au désherbage mécanique et notamment binage lorsque le colza est semé à large écartement. Et vous pouvez voir que sur cette partie-là, finalement, on a des grandes différences entre les bassins, entre le Grand Ouest où finalement on est sur des semis à écartement réduit au semoir à céréales. Le Nord, c'est assez partagé, le réseau centre aussi. Et dans le Sud-Ouest, c'est l'inverse, on a beaucoup plus de semis au semoir monograine large écartement qu'au semoir à céréales. Pour les semis au semoir à céréales, c'est ce que je vous disais, le colza ne peut compter, j'allais dire, que sur lui-même et sur son pouvoir concurrentiel pour pouvoir, voilà, pour pouvoir s'en sortir, même si on peut faire du désherbage par du herçage. Et donc là, c'est là qu'entre en jeu un levier, donc qui est l'association à des plants de compagne pour maximiser donc la couverture du sol et la compétition avec les adventices. Donc on a vu au travers de notre observatoire que l'association avec les plants de campagne était quand même majoritaire en fait sur l'ensemble des parcelles. Hein. C'est ce que vous traduit le graphique présent à gauche. Vous voyez que l'histogramme bleu est beaucoup plus haut que l'histogramme rouge. Et en fait, on voit une grosse dichotomie en lien avec le type de semoir, j'allais dire, entre le Grand Ouest et la Bourgogne-Franche-Comté, où on avait une dominance des semoirs à céréales, où on a beaucoup d'associations. Et c'est assez minoritaire dans le centre et dans le sud-ouest notamment, parce qu'on avait plutôt une dominance de semoirs monograines, donc binage, donc interrembiné, donc beaucoup moins d'intérêt en fait de l'association plants de campagne. Si l'on regarde sur le graphique qui est présent au milieu, les différentes espèces que l'on a pu retrouver, donc on peut voir que l'on avait une dominance de sarrasin, là, qui est vraiment spécifique du Grand Ouest. Et puis une présence, sinon, j'allais dire, d'espèces que l'on retrouve un peu plus facilement conventionnelles, la lentille, le fenugrec et puis la févrole. À savoir que cette présence du sarrasin, elle est ouais, assez typique du Grand Ouest. Elle est aussi facilitée parce que sur ce territoire, on le verra après, mais on a des potentiels de croissance qui sont très élevés, ce qui fait que le colza peut lui-même exercer de la concurrence vis-à-vis du sarrasin et ne pas se faire déborder, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres parcelles. Ce qui est intéressant de voir, c'est sur le dernier graphique qui vous est montré à droite, c'est que finalement l'implantation du couvert sur la majorité des parcelles a été notée régulière sur la majorité des parcelles. Donc ça veut dire qu'on avait un couvert bien présent et qui pouvait, dans ces cas-là, jouer son rôle vis-à-vis des adventices. Alors, sur cette thématique-là, on avait voulu justement faire un petit screening en fait des espèces qui pourraient être les plus adaptées pour être associées au colza. Donc, ça a été fait sur 9 essais menés dans ces cols bio. On a testé en fait des couverts semés sur le rang pour lorsqu'on avait un semis à large écartement et des couverts semés aussi sur le rang, mais aussi sur l'interrang pour des semis à semoir à céréales avec différentes espèces. Et ce que l'on peut dire, c'est que pour les semis à large écartement, on peut voir là les graphiques vous présentent en fait les densités de semis du colza par rapport en fait, enfin les densités pardon de levée du colza par rapport aux densités de levée des deux couverts qui avaient été testés, donc trèfle d'Alexandrie sol et trèfle d'Alexandrie plus vesce. On voit bien qu'à chaque fois, on est sur des densités levées, alors qui sont inférieures aux densités semées, qui sont relativement variables en fonction des essais et qui sont quand même toujours quasiment inférieures, toujours inférieures aux densités de colza. Si l'on regarde les résultats qu'on a pu avoir sur les essais menés sur des semis à écartement réduits, on voit que là, ce n'est pas tout à fait la même donne. Alors, on a toujours des densités levées qui sont assez inférieures aux densités semées, mais on peut avoir sur certains essais, en fait, des couverts hein, comme la cameline ou le sarrasin qui sont présents finalement en plus grande quantité que le colza au moment de la levée. Malgré tout, que ce soit sur les essais à large écartement ou les essais à écartement réduit, là vous sont présentés en fait les biomasses fraîches de colza obtenues en sortie d'hiver. On peut voir que voilà, la concurrence établie par ce couvert n'a pas été trop importante. Et à l'inverse, les effets bénéfiques n'ont pas été trop importants non plus, parce qu'en général, on est sur des biomasses de colza qui sont peu différentes entre les modalités avec ou sans couvert, sauf sur 2 essais, là sur les 2 essais qui vous sont présentés sur le graphique de droite, où en fait les biomasses avec les modalités avec couvert sont un peu inférieures, mais on n'était pas sur des biomasses limitantes de colza, donc ça n'a pas posé de soucis. Ce que l'on retrouve d'ailleurs sur les résultats. Cécile, on est à 21 minutes. Minutes, ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que l'on retrouve sur les résultats, voilà, qui vous présentent les résultats de rendement obtenus sur les différentes modalités, où en fait, on n'a pas d'effet positif ou négatif sur le rendement pour les essais menés à large écartement. Et on a un effet positif, notamment de l'association avec la cameline et le sarrasin pour les essais menés à écartement réduit. C'est ce que vous montrent les petites barres bleues et oranges qui sont supérieures, notamment aux petites
petite barbe grise, hein, sachant que ces deux, voilà, ces deux graphiques vous montrent les résultats de rendement en dents. Un petit point important aussi, parce que c'était sur notamment région de centre, c'était un paramètre important. Finalement, quelle a été, enfin, comment on a réussi à gérer la pression d'insectes à l'automne sur cette région-là? Donc là, ce sont des résultats qui vous montrent sur 2021 à gauche et 2022 à droite, le nombre de larves par plante qui a pu être enregistrée, donc qui a pu être observée, donc qui vous est présentée en abscisse. Hein. Vous voyez qu'on est dans les deux cas sur des nombres de larves par plante qui sont assez élevé. Et pourtant, si vous regardez les petits points rouges, on est sur des nombres, des pourcentages de plantes faciles observées à Montaison qui restent relativement faibles, sauf sur certaines parcelles. Et finalement, on n'arrive pas à trouver de lien, notamment entre le nombre de larves par plante observées et les biomasses qui ont pu être enregistrées, qui vous sont montrées par les histogrammes. Donc, sur cette région-là, voilà, on avait quand même une sonnette d'alarme avec des nombres de larves par plante assez importants et finalement un effet en termes de dégâts qui est resté relativement contenu du fait notamment des dynamiques de croissance qui, malgré notamment 2022 des biomasses relativement faibles, avaient été quand même continues tout au long de l'automne et ce qui a favorisé voilà, l'aspect concurrentiel du colza. Et justement, si l'on fait un petit point, un dernier point sur tout ce qui est potentiel de croissance du colza, puisque c'est ça qui va lui donner justement tous ses avantages vis-à-vis des adventices et des ravageurs, à savoir, c'est ce que vous montre le camembert de gauche, que sur la plupart des parcelles, les peuplements avaient été jugés homogènes, voire très homogènes. Hein, c'est les trois quarts des parcelles qui avaient été observées. Et ça a été la même chose en fait, parce que là c'est la moyenne sur les deux campagnes, et 2021 et 2022 c'était la même chose. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est que si on regarde le global, on est sur des, on va dire sur des bonnes situations, mais si on regarde par contre sur les colzas qui étaient hétérogènes ou très hétérogènes, en fait on a des différences assez flagrantes en fonction des régions, avec un petit 25% des parcelles sur la zone du Grand Ouest, mais on navigue entre 37 et 50% sur les régions du centre et de Bourgogne-Franche-Comté, ce qui veut dire que dès le début sur ces deux régions-là, le colza avait été mis beaucoup plus en difficulté. Et c'est ce que l'on va retrouver finalement sur les résultats de biomasse fraîche observée en entrée d'hiver, avec notamment sur l'ensemble des bassins des biomasses qui tournent entre 1 000 et 1 kg et 1,5 kg sur les 2 années, et puis le Grand Ouest qui se détache véritablement avec des biomasses qui tournent entre 2 kg et 2,5 kg. Donc un réel potentiel de croissance qui est beaucoup plus important sur ce bassin-là. Et qui se couple aussi, si vous regardez le petit tableau qui vous est présenté en bas, avec une croissance qui en fait a été contenue tout au long de l'automne, puisque on a eu un gain de biomasse fraîche entre l'entrée et la sortie de l'hiver, qui est de 21%, ce que l'on retrouve aussi sur la région du Nord, alors que sur la région Centre et la région Bourgogne-Franche-Comté, on est au contraire sur des pertes de biomasse entre l'entrée et la sortie de l'hiver, donc voilà, ce qui peut mettre le colza plus en difficulté sur la suite du cycle. Et juste pour terminer, finalement, au-delà de la période de l'implantation, quand même, quelles ont été les performances globales du colza observées sur les différents bassins? Donc, je vous ai remis sur le tableau de gauche, finalement, les objectifs de rendement qui avaient été proposés par les agriculteurs en moyenne sur les différentes parcelles suivies. Donc, vous voyez qu'on tourne suivant les bassins, mais entre 20 et 25 quintaux. Et finalement, sur 2021 et 2022, les rendements moyens observés sont quand même beaucoup plus faibles, en particulier sur 2021. Ce qui montre que voilà, on a encore entre guillemets du travail pour arriver à sécuriser les performances du colza. Et on espère que voilà, les petites billes qu'on aura pu apporter dans ces cols bio permettront d'y parvenir. Et juste pour conclure, je dirais, voilà, on a pu voir au travers des différentes diapositives que voilà, il y a des potentiels de variables, que ce soit, j'allais dire, en croissance, en climat, etc., qui vont influer finalement les potentiels qu'on va pouvoir avoir sur les différents bassins. On a des pratiques qui peuvent venir sécuriser notamment la phase automnale. Hein, on les a parcourues, l'association, la densité, la fertilisation aussi. Et on a quand même un bassin qui se détache avec des potentiels au-dessus des autres, que ce soit niveau croissance et puis finalement niveau performance finale. C'est le Grand Ouest. Et après, je dirais, s'il y a une question qui nous reste à l'issue voilà, à l'issue du projet, c'est que là, on a beaucoup travaillé sur la phase automnale. Hein. Parce qu'il y a peu de leviers actionnables pour lutter contre les ravageurs et les maladies de printemps. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'un colza qui sera robuste en sortie d'hiver
sera quand même et bien alimenté au printemps, sera quand même plus robuste vis-à-vis de ces ravageurs et ces maladies. Et donc se pose la question de fertiliser au printemps ou alors de fractionner la fertilisation entre automne et printemps, voilà, pour y arriver. Je m'en arrête là. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Cécile pour ce retour très complet des premiers résultats de Sécobio, puisque c'est un projet qui finit cette année. Alors quelques questions qui traitent notamment de l'antécédent. Est-ce qu'on connaît les antécédents des colzas? Et est-ce qu'on arrive à voir une incidence des antécédents, justement prairies ou légumineuses, sur un rendement du colza? Alors, dans le cadre de l'observatoire, non, on n'a pas les antécédents, on n'était pas allé jusque-là. Donc, pour le coup, je ne peux pas répondre si on n'a pas suffisamment de données pour pouvoir voir si justement l'antécédent, même dans les essais qui avaient pu être conduits à côté, avait un impact sur le colza. En dehors de la luzerne, on sait qu'en effet, il y a un effet très favorable. Effectivement, pour compléter les propos de Cécile, on sait bien que les luzernes ou les prairies vont avoir un effet l'année suivante et également globalement sur 2 ans, voire 3 ans, en fonction des conditions de minéralisation, hein, température et humidité. Merci beaucoup. Et une dernière question très très rapide. Quid des plantes compagnes, notamment févrole et févrole sarrasin? Est-ce qu'il y a eu des relevés sur, notamment, est-ce que ça s'est bien comporté, est-ce que ça a bien disparu? Et voilà, c'est un petit peu ça, je pense, le sens de la question. Oui, alors le sarrasin, y compris, j'allais dire, sur les zones bretonnes, hein, qui sont quand même assez océaniques et assez douces, avait gelé dès le mois de novembre. D'ailleurs, dans les essais, on a des biomasses qui sont très faibles de sarrasin enregistrées en entrée d'hiver parce qu'il avait gelé avant. On n'a pas eu de problème de relevé. Malgré tout, c'est quelque chose qu'on avait souligné, hein, comme, j'allais dire, petit point d'intention, en particulier s'il y avait des cultures de printemps après le colza. Et sur la févrole aussi, pour le coup, elles avaient gelé. Là, on était sur des essais Grand Ouest, majoritairement, donc avec climat océanique, elles avaient toutes gelé. La seule espèce qui n'avait pas gelé ou qui a eu du mal à geler dans ces contextes-là, c'était le lin, puisqu'on avait ici aussi des mélanges à base de lin. Merci Cécile. Merci beaucoup. On a fait le tour à peu près des questions. Alors, il y avait d'autres questions, mais qui seront répondues un petit peu plus tard, hein, dans les autres présentations. Puis on va continuer à répondre, hein, bien sûr, dans le chat. Donc on va passer à la seconde présentation, hein, qui avec Patrick Carré, qui va nous parler de la transformation à la ferme. Patrick, je te laisse la main. Bonjour. Donc j'espère que mon écran apparaît. Le sujet dont je vais vous parler, c'est la transformation à la ferme, notamment donc pour la production d'huile ou alors pour la production d'aliments du bétail, notamment dans le cas du soja. La présentation va d'abord faire un petit peu le tour de l'extraction mécanique, hein, le procédé par lequel on arrive à extraire de l'huile qui soit à la fois bio et compatible avec une production à la ferme. On verra les équipements qu'on peut utiliser et puis la question de la qualité des huiles et d'expliquer pourquoi c'est difficile d'avoir des huiles vierges de bonne qualité. On passera ensuite à la question du toastage du soja. Un peu d'explication sur les raisons pour lesquelles le soja doit être toasté, les méthodes disponibles et les limites des procédés qui sont sur le marché aujourd'hui. Et puis en conclusion, on verra les difficultés que ça comporte de traiter nos oléagineux à la ferme et que c'est une question qui est assez technique finalement. Donc, pardon. Pour commencer mon propos, si on se situe dans la perspective où on est un agriculteur produisant à la fois un atelier animal et qui dispose de surface pour produire de l'aliment du bétail, la production de protéines, c'est quelque chose qui peut être intéressant,
notamment dans le cas du bio, on a une obligation de produire enfin d'utiliser des aliments produits localement. Si on prend un exemple, par exemple, on produit 1000 porcs par an, on sait en gros il faut de l'ordre de 3 kilos d'aliments pour faire 1 kilo de porc, donc on va avoir besoin d'en gros 300 tonnes d'aliments. Si on met 10% de tourteaux gras dans ces tourteaux, on va devoir produire 30 tonnes de tourteaux. Prenons le cas du tournesol, dit 24, hein, c'est le tournesol pressé contenant de l'ordre de 14% de matière grasse. Donc pour faire ça, si on a une presse de 50 kg/h, il va falloir travailler pendant 1000 heures. On va produire à peu près 33% d'huile, ce qui va donner 17 500 litres d'huile qu'il va falloir commercialiser. Donc, dans ce cas-là, on va faire un petit bilan économique. Donc, on va voir si on prend par exemple des presses Ecolea qui nécessitent un investissement de l'ordre de 8 700 euros pour une presse de 25 kg/h, on en aura besoin de deux. On va donc investir 17 400 euros dans la presse, environ 10 000 euros pour les équipements de filtration, de stockage de l'huile. Disons 5 000 euros pour l'installation, ce qui nous fait un total de 32 400 euros. Donc des coûts d'amortissement, si on répartit ça sur une dizaine d'années, de l'ordre de 54 euros par tonne triturée. On va ensuite avoir des frais de maintenance de l'ordre de 27 euros, des coûts énergétiques, on va consommer de l'électricité, et puis de la main-d'œuvre. Donc là, c'est un peu difficile à évaluer puisque ça dépend de l'organisation et de la façon dont on va l'évaluer. Mais bon, on peut évaluer grosso modo le coût de l'opération à environ 140 euros la tonne, ce qui est quand même relativement important. Si on compare avec la valeur ajoutée qu'on va générer, donc on a 750 euros la tonne de graines au cours actuel. Le tourteau vaut à peu près le même prix que la graine. On va produire environ 61% de tourteaux, on va produire 33% d'huile. Je la valorise à 2 000 euros tonne, ce qui nous fait une valeur ajoutée quand on enlève la valeur des graines et la valeur rapportée à la valeur des produits de 372 euros par tonne. Et donc, si on enlève les charges, on a encore 233 euros de marge brute, enfin de marge après trituration, ce qui est relativement intéressant. Néanmoins, vous avez quand même un problème, c'est de commercialiser 17 000 litres d'huile, sachant que la consommation moyenne des ménages, c'est à peu près 3 litres d'huile de tournesol par an, ce qui reviendrait à trouver 5 800 foyers à qui vendre votre huile. Et ça, vous ne pouvez pas le faire en direct, c'est assez compliqué. Il faut des réseaux de distribution, en passant par des magasins spécialisés ou des restaurations collectives. Ah, c'est quand même un travail assez important pour arriver à mettre cette huile en marché, sachant que c'est une huile qui vierge, c'est-à-dire uniquement pressée, filtrée, convient pas à la friture et qui a un goût typique qui convient pas à tous les consommateurs. Donc, c'est une huile qui est quand même plus difficile à valoriser. On peut néanmoins faire un investissement sur la qualité, sur la commercialisation de cette huile, sachant que bon, si on prend 20 000 euros de chiffre d'affaires, on peut le faire aussi bien en commercialisant 10 000 litres d'huile à 2 euros, comme 2 000 litres d'huile à 10 euros. Et des prix de 10 euros par litre, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Hein. On trouve assez facilement des huiles biologiques à ces prix-là. Mais ça nécessite d'apporter une valeur ajoutée en fait, la reconnaissance du consommateur vis-à-vis du produit qui peut être du fait du mode de production, mais aussi, et c'est important pour le consommateur, la qualité organoleptique, c'est-à-dire le goût. Et donc, ce qui se rencontre assez fréquemment, c'est quand même des agriculteurs qui produisent de l'huile pour ce type de marché, qui investissent surtout sur l'huile et pour qui le tourteau est plus un sous-produit, donc ils doivent trouver des éleveurs à proximité pour commercialiser les tourteaux. Ou ça peut même être des particuliers. Hein, on a des particuliers qui vont rechercher un peu d'aliments pour élever quelques poules. Et donc ça peut aussi se faire.
Enfin, en conclusion, c'est quand même assez difficile d'arriver à équilibrer la partie valorisation animale et la partie valorisation humaine quand on fait ce genre d'atelier. Donc, l'extraction mécanique de l'huile, ça se passe comment? L'extraction mécanique de l'huile, c'est très simple, hein. Si vous utilisez une presse fixe, une presse hydraulique, vous allez avoir une compression de la matière qui va permettre de faire sortir l'huile un peu à la manière dont on va presser une éponge ou une orange, hein. C'est la pression mécanique qui fait sortir l'huile. Dans une presse à vis en continu, on fait la même chose, mais en continu, c'est-à-dire qu'on va pousser le gâteau à travers un espace de plus en plus étroit et qui va permettre à l'huile de s'exprimer. Donc, pour faire sortir de l'huile, il faut produire de la pression. Pour produire de la pression, il faut qu'il y ait une résistance du tourteau vis-à-vis de la poussée de la vis, ce qui fait que la rhéologie du tourteau, hein, est assez importante. C'est-à-dire si on a un produit mou, on n'a pas de résistance. C'est un peu comme du dentifrice. Si vous appuyez sur le tube, ça sort facilement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de pression. Mais le tourteau sort facilement de la presse. Il n'y a pas de pression et on ne produit pas beaucoup d'huile. Inversement, si vous avez un produit qui est dur, imaginez des billes dans une seringue, vous avez une forte résistance à la déformation. Vous avez du mal à faire avancer le produit. Et donc, quand vous avez un produit très dur, la pression est élevée, mais vous avez un échauffement important et des reflux qui donnent une huile en général de moins bonne qualité. Donc, la géométrie de la presse est importante puisqu'elle permet, en interaction avec la pressabilité du produit, c'est-à-dire sa qualité rhéologique, de contrôler cette pression. Donc, sur le marché, on va trouver deux catégories de presse plus ou moins coûteuses à mettre en œuvre. Vous avez des petites presses à vis uniformes et avec une cage perforée. Donc, dans ces presse qu'on verra un petit peu après, vous verrez que la mécanique est assez simple et on a des résultats un peu avec n'importe quel produit sans trop de difficultés. L'autre type de presse, ce sont les presses à vis avec un volume évolutif, c'est-à-dire comme je vous l'ai montré, où le volume va en rétrécissant vers la sortie et qui sont entourées de barreaux. Donc, les premières sont plutôt des presses de petite capacité. Donc, vous voyez ici une coupe où on voit la forme de la vis qui est, comme je vous disais, uniforme, c'est-à-dire que la forme de la vis est la même de l'entrée jusqu'à la sortie. Vous avez la chambre de compression qui se trouve dans la partie rouge, là, qui est assez petite, puisque l'écrasement de la graine ne se fait que dans cette partie-là. Et vous avez l'huile qui remonte le flux de graines pour sortir par les trous de la cage qui se trouve donc en amont de la zone où la pression est la plus importante. Donc là, je vous ai mis une photo sur laquelle on voit le gâteau de pression que peut produire une vis de ce type. Donc la cage là, a été retirée. Donc on voit les graines qui sont quasiment intactes presque jusqu'au bout. Et puis une zone dans laquelle on voit apparaître le début de l'écrasement des graines et la zone où c'est compressé et qui se caractérise en fait par l'existence de petites arêtes en creux dans la cage qui empêchent la matière de tourner avec la vis et qui génère aussi un reflux de matière qui vient le reflux venant empêcher les graines de tourner avec la vis. Donc, que valent ces presses? Pour l'illustrer, là, je vous ai mis une petite étude qui a été faite aux États-Unis sur cinq modèles de presse différentes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, hein, mais vous voyez que pour différentes graines, pour différentes vitesses de rotation, donc la vitesse de rotation jouant sur le débit que la presse peut avoir, hein, plus elle tourne vite, plus elle peut passer de graines. Mais par contre, plus elles vont tourner vite, plus elles vont laisser d'huile dans les tourteaux. Et donc, vous avez les rendements, hein, qui sont indiqués dans les colonnes en dessous des presses. Et donc, on voit que pour avoir des rendements intéressants, on a plutôt tendance à réduire de façon importante la vitesse de rotation. On peut descendre à 25% de la capacité pour avoir des bons rendements. Et donc, toutes les presses ne se valent pas. Il y a des presses qui ont une capacité, enfin, qui ont la capacité d'atteindre des rendements un peu plus importants que d'autres.
Mais bon, malgré tout, si on prend le cas du tournesol, on arrive toujours à, enfin, en réduisant le rendement, à atteindre des niveaux de l'ordre de 40%, à l'exception peut-être de la petite presse comète, là, qui est toute petite et qui peut monter à des rendements de plus de 45%. Une règle générale, c'est que plus les presses sont petites et meilleures sont leurs performances, ce qui s'explique par la géométrie, c'est-à-dire que comme l'huile doit refluer vers la cage en amont, on a intérêt à avoir une distance la plus courte possible, ce qu'on a sur les petites presses. Les presses que j'appelle à vis segmentées et cage à barreaux sont des presses donc, dont la vis est segmentée en différents tronçons, avec à chaque fois des diamètres qui vont en augmentant quand on va vers la sortie. Et les tronçons de vis sont séparés par des cônes qui viennent augmenter la résistance à la compression. Et puis tout ça, c'est entouré par une cage. Donc on voit les barreaux de la cage ici sur la droite. Les barreaux étant séparés par des petites cales d'épaisseur qui permettent d'avoir un écartement précis. Et donc ces barreaux entourent complètement la cage et permettent à l'huile de sortir. Donc dans ce type de presse, on va pouvoir atteindre des pressions plus importantes et des rendements en général un peu plus élevés. Ce sont aussi des presses qui ont des capacités qui peuvent aller jusqu'à des niveaux de plusieurs tonnes par heure. Par contre, bon, ce sont des presses dont le coût est plus important et qui ne sont pas aussi aptes à passer toutes sortes de produits que des petites presses. C'est-à-dire qu'une presse telle que celle-ci, elle a un profil de compression qui est adapté à un certain nombre de graines. Bon, une presse qui passe du colza passera facilement du tournesol. On peut aussi y passer du soja, mais elle ne sera pas forcément le mieux adaptée pour du soja. Et puis par contre, si on amène des graines décortiquées, des produits un peu spécifiques, ce sont des presses qui peuvent avoir beaucoup plus de difficultés que les petites. Ensuite, la question qui se pose, c'est pourquoi est-il si difficile de produire de l'huile vierge de colza de bonne qualité pour la consommation humaine? Donc là, je me suis inspiré d'un article publié par des confrères allemands qui ont enquêté au niveau du marché, qui ont pris une trentaine d'échantillons d'huile vierge de colza et qui ont fait des tests organoleptiques, ils ont dégusté et ils ont fait des analyses. Et ils ont observé que sur toutes ces huiles, il y en avait à peine 25% qui étaient vraiment des huiles de qualité parfaite, où il n'y avait pas de défaut. La plupart des autres avaient au moins un petit défaut, voire pour un tiers des défauts vraiment importants, des qualités qui étaient vraiment pas très bonnes. Donc, pour comprendre ça, ils ont regardé l'effet des dates de récolte. Donc, ils se sont aperçus que si on récoltait trop tôt, on avait des huiles qui étaient riches en chlorophylle, la chlorophylle étant un pigment qu'on va retrouver dans les graines, et qui, lorsque la maturation de la graine se fait, va disparaître. Le rôle de la chlorophylle, ce n'est pas trop la couleur, c'est un produit pro-oxydant qui va limiter la durée de vie de l'huile et qui risque d'avoir un effet quand même aussi sur le goût. Bon, on voit aussi qu'en attendant un peu plus pour la récolte, on a la teneur en huile qui augmente et ce qui s'appelle les free fatty acids, c'est l'acidité, hein, l'acidité qui est relativement importante quand on est sur des graines immatures et qui va diminuer, donc qui va être plus satisfaisante, qui va permettre aussi une meilleure qualité. Un autre point qui a été étudié, c'est la présence d'impuretés. Et donc, en pressant des graines avec un taux d'impureté allant de 0 jusqu'à 25%, ils ont mis en évidence l'impact des impuretés sur le goût de l'huile, et notamment des côtés pailleux, des côtés goût vert, bois, etc., qui étaient nettement plus présents avec les impuretés. Donc c'est important de bien nettoyer les graines avant de les presser. Moins il y a d'impuretés, notamment de produits fibreux, meilleure sera la qualité de l'huile. Un autre point aussi qui a été relevé, qui est très important, c'est l'humidité, notamment pendant la conservation. Donc, en conservant les graines à 7% d'eau, on a des qualités qui sont correctes. Par contre, des graines qui ont été stockées après un séchage, à partir du moment où elles étaient humides, vont assez rapidement développer des goûts qui ne sont pas bons, des goûts de moisi, des goûts de produits fermentés. Et même avec des humidités pas forcément très élevées.
Donc ça, c'est illustré ici où bon, entre de la graine à 7, 9 et 11%, il y a vraiment des très grosses différences dès 9% d'humidité. Hein. Donc il est vraiment recommandé d'avoir une conservation à des humidités faibles. Maintenant, une fois traité ce problème de trituration, une autre façon de transformer la graine, notamment le soja, c'est utiliser le soja directement pour ses protéines dans l'alimentation des animaux. Donc, pourquoi il faut transformer le soja? Parce que le soja contient des protéines qui s'appellent les facteurs antitrypsiques. Donc, il y a deux protéines principales, la protéine de Kunitz et la protéine dite bébé, hein, qui sont des inhibiteurs de la trypsine. C'est-à-dire que la trypsine est une enzyme de la digestion des protéines qui agit au niveau de l'estomac et après au niveau de l'intestin. Et donc, cette trypsine va être bloquée par la protéine et donc le pancréas va être sursollicité pour en produire à nouveau. Et au-delà de ça, on va moins bien utiliser les protéines. Donc, les animaux, surtout les jeunes animaux comme les porcelets, s'ils ont un aliment qui n'est pas suffisamment traité, vont avoir des pertes de croissance, voire même des phénomènes de retard important. Classiquement, dans les graines de soja, on va avoir une activité antitrypsique qui est de l'ordre de 35 à 60 unités par milligramme. Et ça, il va falloir la faire descendre en dessous de 5 unités par milligramme. La méthode la plus classique pour le faire, c'est un traitement thermique qui s'applique soit avec des températures élevées, des temps courts, comme dans le cas de l'extrusion, soit des températures plus basses, mais des temps de traitement plus longs. Donc, on va pouvoir le faire. Vous voyez, alors je ne sais pas si le graphique est assez grand pour qu'on voit bien, mais la barre horizontale, c'est la cible, hein, 5 UTI, enfin 50, 5 000 UTI par gramme. Vous avez sur ce graphique l'illustration d'essais qu'on a fait chez nous en chauffant les graines à 100 degrés ou à 105 degrés, pardon, avec ou sans injection d'eau ou de vapeur, voire d'air sec. Et en fonction de. Bon, si on fait juste un chauffage à sec à 105 degrés, on voit qu'il faut au moins 3 heures pour atteindre la cible. Par contre, en humidifiant ou en ayant transfert de chaleur via une injection d'air ou de vapeur, on peut accélérer le processus et donc on peut atteindre la cible de l'ordre de 60 minutes, notamment en présence de vapeur. Sur la figure du bas, c'est un petit peu la même chose, où là on avait une température un petit peu plus basse de 100 degrés, mais des systèmes d'injection de vapeur un peu plus pointu, un peu plus performant, ce qui permettait d'atteindre la cible aux environs de 60 minutes, avec une perte de solubilité de protéines qui était tout à fait correcte. Hein, on était encore avec des solubilités de protéines à 80%, ce qui est aussi un paramètre à contrôler quand on fait des traitements thermiques, puisque si on fait un traitement thermique de 3 heures comme ici, on a un effet sur la solubilité des protéines qui est trop important. Et donc il faut jouer entre la solubilité des protéines et la réduction des facteurs antitrypsiques de manière assez précise pour préserver la digestibilité des protéines. Donc la cuisson industrielle se fait dans des cuiseurs à plusieurs étages, hein, comme ceux que je vous montre ici. Et donc le soja va passer de plateau en plateau pour atteindre la température ciblée. Et durant ce temps, il va avoir sa solubilité un peu réduite, tout en ayant l'activité antitrypsique qui va rejoindre la cible. Une autre technologie, c'est l'extrusion. Donc un extrudeur, c'est une espèce de vis qui va pousser le soja à travers une filière. Donc on voit ici sur l'extrémité du fourreau. Donc, pour faire ça, la vis va tourner à une grande vitesse pour forcer le passage dans ce petit trou, et cette vitesse va se transformer en chaleur par friction et par cisaillement. Et donc typiquement, l'extrusion, c'est quelque chose qui se fait avec des températures de 150 degrés et un temps de séjour de l'ordre de 30 secondes. Si on veut faire de l'extrusion à l'échelle
agricole, enfin fermière. On peut utiliser des extrudeurs qui existent sur le marché. Il y a notamment Farmet qui en commercialise un d'une capacité de 100 kg environ. Le moteur a une capacité, enfin une puissance de 15 kW. Ça représente un investissement de l'ordre de 30 000 euros. Si on tient compte globalement, hein, enfin c'est un ordre de grandeur, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre au pied de la lettre, mais si on prend en compte l'amortissement, le prix d'énergie, etc., on est sur des coûts de transformation qui sont de l'ordre de 100 euros par tonne de graines, enfin, environ 30-35 euros pour l'électricité, compte tenu des coûts actuels de l'électricité qui sont quand même assez élevés. C'est toutefois un procédé qui est assez délicat, qui peut se dérégler du fait une partie importante vient de l'entrefer entre la filière et l'extrémité de la vis. Et donc, une petite différence peut générer une conséquence assez rapidement importante. Et donc, il faut surveiller le système de manière assez constante. Et donc, ça nécessite de rester à proximité, ce qui n'est pas forcément le cas avec des systèmes de cuisson qu'on peut laisser fonctionner et venir surveiller juste de temps en temps. Donc c'est un petit peu la limite de ce procédé, mais qui par ailleurs est tout à fait reconnu pour son efficacité. Un autre dispositif qu'on rencontre aujourd'hui en France, c'est le toaster Mecmar. Alors c'est un appareil qui est beaucoup plus puissant puisqu'il a la capacité de traiter plusieurs tonnes à l'heure. Les grandes capacités font 6 tonnes heure. Donc ce qui est un appareil plutôt mobile qu'on déplace d'exploitation en exploitation et qui va permettre un traitement rapide. Donc le principe, c'est d'envoyer une enfin de chauffer de l'air avec une flamme qui permet de traverser le lit de graines enfin, le lit de graines est transporté en couche mince à travers ce flux d'air. Et le temps de séjour à travers enfin, pour traverser l'appareil est de l'ordre de 5 minutes, enfin, plus ou moins 2-3 minutes. Donc un temps de séjour assez court. Et puis des températures élevées, l'air est à 280 degrés. La température de sortie est de l'ordre de 120 degrés. Donc c'est quelque chose qui a un coût compris entre 50 et 100 euros tonne et qui bon, a l'avantage quand même d'aller vite, ce qui permet de faire un chantier sur une exploitation de l'ordre d'une à deux journées par an pour avoir à peu près la quantité de graines toastées dont on a besoin et qui peut fonctionner en CUMA ou avec des prestataires privés. Donc c'est un dispositif qu'on a essayé d'évaluer puisque on manque un petit peu de données pour évaluer ce qu'il vaut. Donc un premier point sur lequel on s'est interrogé, c'est l'homogénéité du traitement. Donc là, il y a eu une campagne de fait pendant laquelle on a utilisé une caméra infrarouge pour regarder les spectres de température sur des échantillons pris à la sortie. Et donc ce que vous voyez, le thermogramme d'un échantillon de graines, ça vous montre la température de ce qui sort et on voit qu'il y a une certaine hétérogénéité qui est représentée par l'histogramme ici. Donc on a une température ici, le mode est aux environs de 120 degrés et des températures qui vont de 100 degrés pour les plus basses à presque 140, enfin presque 140 pour les plus élevés. Et donc en cumulant plusieurs thermogrammes, on obtient cet histogramme ici qui montre bon, pour cette campagne de mesure, qu'on avait la température la plus fréquente autour de 116-118 degrés, avec une partie de la population des températures qui montait à plus de 130 degrés et une autre qui était de l'ordre de 100 degrés, enfin, de 100 degrés et moins. Donc, ce qui montre quand même une certaine disparité de la température, sachant que quand on atteint des températures de cet ordre-là, il faut pouvoir quand même gérer le temps de passage de manière assez précise. Alors, le temps de passage là est homogène puisqu'il y a une chaîne de transport qui garantit l'homogénéité. Par contre, en termes de température, c'est pas tout à fait ça. Et puis l'autre point qu'on a surveillé, c'est le refroidissement. Donc, quand on regarde
Avec la caméra thermique, le tas de graines qui sort, on voit qu'il y a une certaine disparité de température. Et donc, on a fait une campagne de mesure sur un chantier où on travaillait dans une benne. Et donc, ce qui nous a permis de placer des sondes à différents endroits dans la benne pour regarder un petit peu comment la température évoluait. Et donc, là, vous voyez la position des thermomètres dans la benne, donc un peu transversale et longitudinale. Et donc, ce qui est frappant, hein, c'est de voir la différence qu'il peut y avoir avec, par exemple, pour le point 1, des valeurs qui montent très haut, qui montent à enfin, quasiment 130 degrés, puis qui descendent tout doucement et qui restent pendant plus d'une heure à des températures qui dépassent 110 degrés. Et puis, dans le coin, à proximité du flanc de la benne, on a un produit qui refroidit assez vite, qui monte, enfin, il sort, il est à 115, 120 degrés, hein, mais il passe très rapidement à une centaine de degrés, et puis là, il va décroître, il va passer rapidement en dessous de 100 degrés. Ce qui fait que dans le lot, on a des graines qui ont un traitement d'au moins une heure à plus de 100 à plus de 110 degrés, et des graines qui ne sont pas montées à 100, enfin, qui sont rapidement descendues en dessous de 100 degrés, et qui, du coup, vont avoir des cinétiques de refroidissement assez différentes. Donc, un produit qui peut être assez hétérogène. Patrick, est-ce que je peux te laisser conclure pour garder un petit peu de temps, un petit peu de temps pour les questions? J'étais presque. Donc, juste pour finir, je dis que donc on avait aussi évalué le bilan thermique. Donc, on voit que le process va pour 60 kWh utile consommer de l'ordre de 216 kWh, ce qui n'est pas forcément optimal. Une partie de l'air, de la chaleur servant à chauffer de l'air et une partie à évaporer de l'eau, qui n'est pas quelque chose d'utile en alimentation animale. Donc c'est un appareil qui est pas forcément idéal, mais qui a mérite d'exister, qui donc donne une certaine hétérogénéité et qui pourrait aussi présenter des risques du fait qu'on a une flamme directe qui pourrait générer la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les produits. Et je m'arrête là. Parfait Patrick, et bah, écoute, en fait nickel, on est quasiment sur, on est tout pile à 25. Écoute, quelques questions, notamment sur, donc tu as parlé un petit peu Adventice, il y a une question sur quelle altération de la qualité des graines, si ce sont des crucifères qui sont dans les Adventices, est-ce qu'il y a des critères qualité qui peuvent être atteints plus que sur d'autres types d'Adventices? Alors, le principal problème avec les crucifères, c'est qu'on va trouver de l'acide érucique et la réglementation donne une limite assez basse en acide érucique dans les huiles, hein, c'est 2%. Donc, si vous avez de la moutarde, par exemple, avec une teneur en acide érucique de l'ordre de 35-40%, il n'en faut pas énormément pour risquer d'atteindre cette valeur. Donc, plutôt un problème. Enfin, plus qu'un problème organoleptique, je dirais un problème de sécurité sanitaire. Une deuxième question sur l'incidence du coût des énergies, hein, qui est un vrai sujet aujourd'hui, sur des petits volumes. Est-ce que ça joue beaucoup sur le coût de production en fait, hein, de l'huile? On parle d'huile. Alors, ce n'est pas le premier facteur de coût si on fait de la pression à froid, puisque ce qui peut coûter cher en trituration, c'est quand on fait de la pression à chaud, il y a besoin de sécher les produits et là, on a des consommations assez importantes. Donc, en pression à froid, on peut s'en sortir avec de l'ordre de 35 kWh à la tonne. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais ce n'est pas le point le plus coûteux de procéder. C'est plutôt pour le toastage qu'on vient de voir, où là, on a vraiment un souci. Merci. Les dernières petites questions. Alors, une petite question sur la dureté du tourteau. Qu'est-ce qui peut expliquer que certains sont plus ou moins durs et d'autres plus ou moins mous? Alors, deux facteurs importants, la température et la teneur en eau. La température va jouer un effet plastifiant. Plus on chauffe, plus le tourteau va se ramollir. Donc ça peut expliquer le rôle des colliers chauffants qu'on peut mettre sur la tête de certaines presses. Ça peut aider au passage des produits durs. Et la teneur en eau, elle est aussi
joue aussi un rôle de plastifiant et donc régler la teneur en eau est un facteur très utile lorsqu'on cherche à optimiser la température. Enfin, puisqu'il y a aussi un effet du rendement. Quand on a un gâteau bien déshuilé, il devient aussi plus difficile à pousser pour la vis, ce qui peut aussi générer plus de chaleur. Donc on peut, pour des gens qui ont besoin de vraiment travailler à froid et pas trop monter en température, des graines un peu trop humides, un peu trop sèches, pardon, peuvent être problématiques et parfois ça peut être nécessaire de remettre un petit peu d'humidité pour éviter de trop chauffer. Merci Patrick. Bah, on a fait le tour. Merci beaucoup hein, pour ta présentation. Je pense qu'on a tous appris énormément de choses. Donc je vais passer la parole à Claire Ortega de Terre Univia pour un panorama des filières des oléoprotéagineux conduits en agriculture biologique. Merci Claire. On voit bien ma présentation. Ouais, c'est parfait. Super. Bonjour à tous. Alors, voilà, je vais présenter, comme a dit Thomas, un panorama des filières oléopro biologiques. Donc, d'abord, un petit contexte très général. On observe du coup alors, les chiffres de la présentation, c'est des chiffres pour la plupart qui sont de 2021. On attend les chiffres officiels 2022. Qui devrait arriver d'ici juin. Donc là, sur ce graphique, on voit un recul du marché bio en 2021 par rapport à 2020. C'était la première fois depuis 2012 que le marché du bio connaissait une régression. C'est une tendance qui semble se poursuivre en 2022, même si on n'a pas encore le chiffre exact, compte tenu que plusieurs filières signalent des déclassements importants, notamment pour les porcs, les volailles et en élevage bovin. Il semblerait que les filières oléoprotéagineuses soient pour l'instant un peu moins touchées par ce qu'elles sont structurellement déficitaires, hormis pour les huiles. On y reviendra un petit peu plus tard. Sur les surfaces de grande culture, on observe en 2021 une augmentation par rapport à 2020 sur la somme des surfaces certifiées et des surfaces en conversion, une augmentation donc d'environ 20%. Toutefois, on observe un ralentissement des conversions de presque 12%. C'est un mécanisme qui est constaté depuis 2019, le ralentissement des conversions, qui semble se poursuivre aussi en 2022. On attend encore les chiffres. Toutefois, ce qu'on peut dire sur l'année 2022, enfin sur la campagne 22-23, c'est que pour l'instant, on a une collecte stable de céréales et oléagineux bio sur les 6 premiers mois de la campagne et une légère augmentation en protéagineux de 6%. Donc, on a des assolements en agriculture biologique qui sont fortement diversifiés, avec une grande part dans l'assolement global des légumineuses à graines, 20%, dont 9% de soja. Et les oléagineux sont également bien présents, avec 14% de la sole. Donc c'est principalement tournesol, colza et lin. Si on s'intéresse un peu plus à l'évolution des surfaces d'oléoprotéagineux bio, des oléoprotéagineux bio spécifiquement, on observe un fort retrait en 2021 de la sole d'oléagineux bio. Les oléagineux bio, c'est environ 6,5% des oléagineux totaux sur la surface française. On observe également un léger recul des sols de protéagineux et de légumes secs bio entre 2021 et 2020. Voilà, les protéagineux bio, c'est 11% de la SAU protéagineux totale et les légumes secs bio, c'est 46,5%. Donc le recul de la sole d'oléagineux bio en 2021 s'explique principalement par un gros recul de la sole de soja bio qui est consécutive donc de 2 années de sécheresse en 2019 et 2020. On sait que le soja en bio est beaucoup cultivé en sec et donc les mauvais rendements ont entraîné une baisse de la surface en 2021.
Pour l'instant, sur la collecte 22-23, on observe une forte baisse du tonnage collecté d'environ 20%, qui est liée à des rendements très faibles liés aux conditions climatiques. On s'attend à une potentielle hausse de surface entre 2022 et 2021, malgré la baisse de la collecte. Sur le tournesol, la sole continue d'augmenter de tournesol bio, donc de 8% entre 2021 et 2020. Et sur la collecte, sur les 6 premiers mois de collecte, la collecte est en hausse également de 8%, ce qui laisse penser à une forte augmentation de la surface. Et sur le colza, il y a un petit ralentissement sur les surfaces, mais en 2021. Mais la collecte a pratiquement doublé par rapport au début de collecte précédent. Donc on se pose la question quand même des débouchés. C'était une des questions dans le chat. Puisqu'il va y avoir du coup pas mal de production d'huile de colza bio et qu'elle n'est pas toujours forcément valorisée en bio en raison d'une demande faible. Donc j'ai remis les cartes donc avec les surfaces 2021 donc de répartition des surfaces oléagineux bio. Donc sur le tournesol, on voit qu'il y a deux bassins de production, en gros, donc le sud-ouest, 65% de la surface, et les Pays de Loire et le centre-Val de Loire qui accueillent 14% des surfaces. Sur le soja bio, les deux principaux bassins, c'est le sud-ouest, 70% des surfaces, et la Bourgogne, le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 15% des surfaces. Et le colza bio est principalement cultivé dans le sud-ouest, 30% des surfaces, et en Bretagne, Pays de la Loire, qui accueille 24% des surfaces. Concernant les protéagineux et les légumes secs biologiques, on observe notamment un recul des surfaces de lentilles et de pois en 2021. Par rapport à 2020, en raison notamment de difficultés liées au stress à la fois biotique et abiotique. Si on regarde un petit peu les bassins de production, pour le pois, on est plutôt sur Nord-Nouvelle-Aquitaine, Pays de Loire et Gers, et un deuxième bassin en Bourgogne-Franche-Comté. La févrole, on a un bassin en Nouvelle-Aquitaine-Occitanie et un bassin Pays de Loire-Centre-Val de Loire. Pour la lentille, c'est à peu près comme le pois. La majorité des surfaces sont concentrées en Nord, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Bourgogne. Et sur le pois chiche, la majorité, 64, 3/4 des surfaces sont dans le sud-ouest. Si on fait un petit focus du coup maintenant sur la zone centre-ouest qui nous intéresse aujourd'hui, on peut constater que les différentes régions du centre-ouest ne sont pas celles qui accueillent le plus d'agriculture biologique. Voilà, donc l'endroit où on en a le plus, c'est en Pays de Loire, où le bio représente environ un peu plus de 12% des surfaces. Et ensuite, on a la Normandie, la Bretagne, la Normandie et le Centre-Val de Loire qui ont respectivement 10, 7 et 5% de surface en agriculture biologique. Et si on fait un petit focus grande culture, là, on a des proportions un peu plus importantes de bio, notamment dans le Centre-Val de Loire, où 46% des surfaces de grande culture sont conduites en bio. Et ensuite, Pays de Loire, 26%, et Normandie-Bretagne, 19% de conduite des grandes cultures en bio. Les évolutions des surfaces d'oléoprotéagineux bio en centre-ouest. Donc là, on peut constater depuis 5 ans une très forte augmentation des surfaces d'oléagineux, 176%, plus 176% en 5 ans. On va le voir après à quelle culture cela est lié. Un petit recul sur les protéagineux et une sole quand même toujours croissante de légumes secs bio avec une augmentation de plus de 130% en 5 ans. Donc voilà, l'augmentation de la sole d'oléagineux est principalement liée à l'augmentation de la sole de tournesol qui a été multipliée par 4,5 depuis 2016. On observe aussi une croissance de la sole de colza.
Et le soja qui a augmenté jusqu'à 2020 et qui a de nouveau baissé en 2021, donc potentiellement comme au niveau national en raison de rendements pas très bons en 2019 et en 2020. Sur la répartition de ces cultures, donc le tournesol, on a 96% de la SOLE qui se trouve en Centre-Val de Loire, Pays de la Loire. Le colza est plutôt cultivé en Bretagne et en Pays de la Loire. Et le soja en Centre-Val de Loire et en Pays de la Loire. Concernant les légumes secs et les légumes secs, on constate une hausse en 2021 de la SOLE. Et en revanche, on a un recul de la SOLE de protéagineux. La SOLE de Faverolles avait fortement augmenté, puis elle est en baisse en fait, depuis 2019. On a une relative stagnation de la SOLE de pois, et à l'inverse, voilà, les légumes secs sont en augmentation. Sur la répartition géographique, donc, la majorité des surfaces de Faverolles sont situées en Pays de Loire et Centre-Val de Loire, trois quarts des surfaces. Ensuite, on a le pois qui est quasi exclusivement cultivé en Centre-Val de Loire. La lentille qui est cultivée majoritairement au Pays de Loire et Centre-Val de Loire. Et on a un pois chiche qui est relativement également réparti entre les quatre régions de la zone centre-ouest. Si on s'intéresse aux débouchés de ces différentes cultures, donc au niveau national, sur le soja, on a environ 85% du soja alimentation, qui est dirigé vers l'alimentation animale, majoritairement vers la trituration. Donc là, j'ai mis la carte des unités de trituration qui traitent des matières premières biologiques. Et 15% du soja est orienté vers l'alimentation humaine dans différentes usines du territoire pour faire notamment des soy food et des protéines texturées. Le tournesol et le colza est quasi exclusivement orienté vers le débouché trituration. Les huiles sont plutôt valorisées en alimentation humaine, mais on constate beaucoup de déclassement de bio vers le conventionnel. Et les tourteaux sont valorisés en alimentation animale. Les pois et les faverolles sont quasi exclusivement réservés à l'alimentation animale également, avec toutefois le développement de nouveaux débouchés en alimentation humaine. À l'échelle nationale, on constate une dépendance aux imports vis-à-vis de la production de protéines végétales pour l'alimentation animale. En soja, notamment, on importe environ 25% des graines qui approvisionnent les unités de trituration. Et on produit, donc ça c'est d'après une étude qui avait été faite avec l'agence bio par un prestataire. À peu près la moitié de ce qu'on consomme en tourteaux de soja bio. En colza et tournesol aussi, on a des imports de graines et de tourteaux. Et en protéagineux, on produit à peu près la moitié de ce qu'on utilise sur la campagne 21-22. Donc il y a un fort besoin de développement de ces cultures pour l'alimentation animale. Dernière slide sur la consommation de légumes secs et de soy food bio en 2021. Donc ça, ce sont des données qui sont issues d'un nouvel observatoire Terunivia qui a été lancé l'an dernier sur les consommations de protéines végétales en alimentation humaine. Donc j'ai sorti quelques chiffres sur la restauration en domicile. On a des consommations de 4 000 tonnes, enfin dans tout, 5 500 tonnes environ de légumes secs, bruts ou apertisés, en augmentation par rapport à 2020. Donc, ce qui s'explique aussi par rapport au Covid, avec la fermeture des restaurants en 2020. Et par contre, dans le commerce de détail, les légumes secs, c'est à peu près 9 000 tonnes de consommées, soit en sachet, soit en apertisé. En gros, il y a une croissance quand même de la consommation depuis 2020, même s'il y a un petit recul sur les légumes secs en sachet. Et par contre, on observe un recul des produits, des soy food, des produits au soja. Donc, c'est 25 000 tonnes de consommées en 2021, en baisse par rapport à 2020 de 20% environ. On s'attend sur 2022 à un recul de la consommation à la fois des huiles, des soy food et des légumes secs biologiques. On attend les baisses exactes.
Voilà, donc pour conclure, on a encore des besoins de graines oléagineuses biologiques. C'est des besoins qui sont en augmentation, avec notamment la construction ou l'agrandissement d'unités de trituration, qui s'accordent plutôt avec l'augmentation des surfaces. Mais il pourrait y avoir un impact à venir de la baisse de consommation de viande bio, puisque je le disais en début d'exposé, il y a eu beaucoup de déclassements en 2022 et il devrait encore y en avoir en 2023. Donc, ce qui pourrait faire baisser les besoins de tourteaux. Et en parallèle, on a une surproduction d'huile bio compte tenu d'une baisse de consommation. Et pour l'instant, il y a une baisse de consommation aussi en soy food et légumes secs. Donc, on attend de voir les évolutions sur les années à venir. Merci Claire pour la présentation et puis ce panorama très complet, vraiment très complet, hein, des filières. Alors pas énormément de questions, hein, dans le chat, hein, pour l'instant. Une petite remarque, concernant une usine, hein, d'Oriacop à Warlincourt, désolé si j'écorche un peu le nom, bah, vérifier peut-être à rajouter sur la carte. Sur la carte. OK. D'un point de vue, j'ai envie de dire perspective, vraiment perspective et débouché sur 2022. Donc tu disais que les chiffres n'étaient pas encore consolidés. Est-ce qu'on sait, globalement, les comment que ça s'appelle, sur quelles espèces il y aura le plus de problématiques? J'entends reprendre en fait la question de Céline Renaud un petit peu plus tôt. Quel débouché? Faut-il contractualiser maintenant, tout de suite, immédiatement? C'est un petit peu ça l'objet de la question. Sur l'approvisionnement des unités de trituration, la culture qui risque d'être problématique, c'est le soja, puisqu'il y a un fort, fort recul de la collecte. En colza et en tournesol, il devrait y avoir ce qu'il faut. Après, c'est sur les produits qui sortent de l'usine de trituration. C'est là qu'on a le moins de visibilité sur la consommation d'huile. On serait sur pour l'alimentation humaine, un repli de l'ordre de 10%, si je me rappelle bien. Mais ce n'est pas encore tout à fait consolidé. Donc, que va devenir le reste de l'huile bio produite, on devrait en produire plus de toute façon, puisqu'il y a plus de capacité de trituration en 2023 qu'en 2022. Et que 2021. Les tourteaux, normalement, comme on était quand même déficitaire, avec un peu de chance, ça va s'équilibrer par rapport à la demande, malgré le recul des cheptels bio. Donc, on attend de voir un petit peu comment le marché va s'équilibrer. Merci de tes réponses. Alors, il y a encore une petite question, mais je pense que ça va plus faire partie de l'intervention de Cyril, qui est juste à venir. Donc, Cyril, bien, je vais te laisser la parole de Terena, qui va venir nous parler un petit peu perspective et débouchés qu'offre, bah, notamment le nouvel outil de trituration à l'usine. À toi, Cyril. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est parfait. Parfait, très bien. Donc Cyril Blain, donc moi je suis responsable terrain pour la coopérative Terena. Et donc on va répondre à la question quelles perspectives pour le tournesol en agriculture biologique? Et puis je vais vous présenter la filière pour le tournesol bio chez Terena. Donc rapidement présentation de l'activité bio de Terena. Donc on est organisé en filières, hein, autour de 6 filières. Donc on commence par la production de semences, hein, voilà, on a démarré en 2016 avec 50 hectares et puis aujourd'hui on est entre 900 et 1000 hectares de production de semences bio, toutes espèces confondues. On a une équipe de 11 techniciens bio et une ingénieure agronome dans l'équipe, donc sur toute la zone Terena, donc qui couvre Pays de la Loire et Poitou-Charentes.
Concernant le métier du grain, donc on a une capacité de stockage de 70 000 tonnes, 55 plateformes, 5 silos, deux dans la Vienne, un dans les Deux-Sèvres et deux dans le 49, dans le Maine-et-Loire. Concernant la nutrition animale, on a une capacité de production de 200 000 tonnes avec deux usines, une à Théiers dans le 44 et une à Écouflant à côté d'Angers. La nutrition animale, donc 49%, à peu près la moitié, hein, c'est pour les pondeuses, 30% à peu près pour les volailles de chair et puis 13% pour le porc, 7% le ruminant. Et puis voilà, vous avez présenté donc les six filières en dessous sur le schéma. Donc, le tournesol chez Terena. Donc voilà, donc vous avez sur le graphique la collecte en hectares depuis 2018. Donc on voit, on a démarré en 2018 avec un peu plus de 2000 hectares. On voit une grosse hausse là en 2020 à 2800 hectares. C'est en fait le lancement de notre outil de trituration Oleocine Bio, donc qui est basé à Thouars dans les Deux-Sèvres, qui a démarré donc en 2020. Et puis cette même année 2020, on a produit, enfin, on s'est mis à produire les deux tournesols, hein, oléique et linoléique. Donc on les a zonés, on a zoné la production pour pas qu'il y ait de mélange de ces deux produits. Donc le tournesol oléique est produit sur la partie Pays de Loire et Deux-Sèvres, et la partie linoléique est produite exclusivement sur la Vienne. Voilà. Et puis 2022, on arrivait à 3600 hectares de collecte. Ah, je n'arrive pas, voilà. Donc là, pour répondre à la question sur les perspectives, en fait, j'ai divisé les apports au nord et sud, pour voir un peu ce que ça donnait. Donc on voit qu'en 2018, enfin de 2018 et 2020, donc c'est sur le premier graphique à gauche, vous avez la collecte qu'on retrouve en hectares sur la partie nord et sud. Donc on voit bien qu'on a un gros bassin de développement, hein, qui est sur le sud, qui est en augmentation, et puis la partie nord, hein, qui représente en moindre mesure la production, mais qui est aussi en augmentation constante depuis 2018. Et puis en bas à droite, hein, vous avez la même chose, mais en tonnage livré à la coopérative. Donc on remarque aussi que ce soit au nord ou au sud, on est en augmentation de collecte. Alors la question, c'était dans les perspectives, c'était de dire est-ce qu'on peut avoir une opportunité de développement en produisant du tournesol au nord de la Loire? Donc là, j'ai repris les rendements des différentes années dans la partie nord et dans la partie sud pour voir s'il y avait des différences. Bon, alors sur l'année 2018, on voit un fort rendement dans la zone nord bon, qui s'explique en fait par un nombre restreint de producteurs qui avaient fait plutôt des très bons rendements cette année-là. Voilà, c'est pour ça, c'est ce qui explique l'écart entre le nord et le sud. Et puis sur 2019, 2020, 2021, 2022, bon, on voit que les rendements sont sensiblement identiques, hein, avec une petite hausse quand même, des meilleurs rendements, hein, sur la partie nord, donc nord de la Loire, sur 2019, 2020, 2021, et puis en 2022, c'est le sud qui est repassé devant à une tonne 460 par hectare. Donc voilà les besoins en perspective de développement. Moi, ce que j'identifie, c'est d'avoir des variétés un peu plus précoces, notamment pour développer le tournesol sur la partie nord. Et puis, je marquais aussi multiplication de semences bio, puisque voilà, le tournesol est hors dérogation, hein, donc on doit utiliser des semences bio et c'est très bien. Seulement l'année dernière, on a manqué de semences en tournesol linoléique et cette année, on manque encore de semences en tournesol oléique.
Hein, donc on a vraiment besoin de, je ne sais pas s'il y a des semenciers à la réunion ce matin, mais on a vraiment besoin de multiplier de la semence de tournesol bio et de trouver des producteurs voilà, qui puissent nous aider à monter un réseau et développer les semences. Alors après, j'ai repris, pour aller un peu plus dans le détail, j'ai repris 2 années, donc 2018 et 2022, toujours la partie nord qui est en haut de l'écran et la partie sud qui est en bas de l'écran, et j'ai classé le pourcentage d'agriculteurs qui faisaient donc moins de 10 quintaux, de 10 à 15 quintaux, de 15 à 20 quintaux, 20, 25, 25, 30 et plus de 30. Voilà ce qu'on observe. Voilà. Donc, ce qu'on observe sur la partie nord en 2018, hein, c'est qu'on a voilà, presque 20% quand même des agriculteurs qui font moins de 10 quintaux, avec en moyenne 350 kg hectare. Et puis, à contrario, on avait 11% des producteurs qui faisaient quand même plus de 30 quintaux, avec en moyenne plus de 3 tonnes hectare. Et au sud, on avait 20% des agriculteurs qui font moins de 10 quintaux à 600 kg hectare, et de l'autre côté, 5% des agriculteurs quand même qui font plus de 30 quintaux avec en moyenne 4 tonnes hectare. Bon, la majeure partie, pour la partie sud, se situait, pour 30%, hein, se situait entre 1 tonne 5 et 2 tonnes hectare. Et en 2022, donc on retrouve là 30% pour la partie nord, hein, 30% des agriculteurs qui font moins de 10 quintaux, donc 620 kg par hectare. Et puis on n'a que 2% qui étaient au-dessus de 3 tonnes, avec en moyenne 3 tonnes, 3 tonnes 2, 3 tonnes 19 par hectare. Et pour le sud, bah pareil, même proportion, hein, 30% des agriculteurs qui faisaient moins de 10 quintaux, avec 630, donc le même rendement hectare, hein, à peu près. Et puis 2% là, qui faisaient plus de 30 quintaux à 3 tonnes 11. Donc là, on identifie... On identifie un levier de développement sur les 30% hein, qui font moins de 10 quintaux, où je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller sécuriser les rendements par de la technique, par de la maîtrise de l'enherbement. Voilà, parce que bon, au niveau génétique, je pense que les semences voilà, sont au rendez-vous. Mais j'arrive pas. Voilà. Donc, il y a vraiment une perspective de développement sur les petits rendements chez nos agriculteurs. Donc, ça, c'était pour la partie amont. Pour la partie aval, donc là, vous avez en photo l'outil de trituration Oléocine Bio. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est basé à Thouars dans les Deux-Sèvres. Hop. C'est un outil qui est en partenariat entre Terena et le groupe Avril, hein, qui a été imaginé en 2017. Hein, donc il faut se remettre dans le contexte de 2017, où il y avait une forte croissance de la bio en France. Donc on avait des attentes sur des produits, je dirais, locaux et d'origine France. On avait aussi un déficit accru de protéines, notamment de tourteaux, pour la nutrition animale. Donc, ça veut dire qu'on avait des tourteaux qui étaient importés de l'étranger. Une demande forte en huile de graines biologiques, et particulièrement sur le tournesol et le colza. Et puis, on voulait aussi préparer l'évolution réglementaire de 2021 avec l'arrêt des dérogations, hein, sur les 5% de matières premières riches en protéines. Pour les monogastriques adultes. Et puis c'était aussi, bien sûr, et avant tout, permettre aux agriculteurs bio de développer leur activité avec un débouché local. Comme le tournesol est produit Pays de la Loire, Poitou-Charentes, et puis il était trituré sur la même zone, hein, et puis les tourteaux partent en usine d'aliments voilà, en local. J'ai un peu de mal à passer mes diapos. Voilà.
Alors là, vous allez retrouver donc en haut à gauche la répartition du capital de l'Éocyne Bio à aujourd'hui. Donc 34% pour Avril, 34% pour Terena, 16% pour Estan Gestion, 16% pour Sophie Protéol. Et puis juste en dessous, donc la part de trituration, donc les deux tiers quasiment sont en graines de soja, un tiers en tournesol et puis 4% pour le colza. Et à partir de fin 2023, début 2024, CAVAC va rentrer au capital de l'Éocyne Bio puisqu'on va ouvrir une nouvelle ligne de trituration pour le tournesol bio. Donc, seront au capital donc CAVAC pour 25%, Avril 25%, Terena 25%, Sophie Protéol et Sfin Gestion respectivement à 11,9% dans le capital. Donc du coup, le colza va devenir minoritaire à 45% et le tournesol majoritaire à 52% en trituration. Et les graines de colza, voilà, représenteront, ça ne bougera pas beaucoup, 3% du volume trituré. Le volume global passera donc à 55 000 tonnes quand il est à 40 000 tonnes aujourd'hui. Et puis, il y a une unité de raffinage aussi qui verra le jour en 2024 sur le site. Donc les qualités triturées, donc vous voyez en 2020, on avait une partie de linoléique qui était plus importante que l'oléique. Hein. Et puis sur 2021, 2022, 2023, on est quasiment à moitié-moitié entre l'oléique et le linoléique. Voilà. La tendance, la demande est plus importante en oléique pour l'industrie, mais voilà, en fonction des marchés, cette tendance peut s'inverser. Alors, les attentes et les besoins pour l'outil de trituration, évidemment, donc des teneurs en huile et une facilité d'extraction pression à froid, hein, puisqu'on a sur le tournesol une première dans le circuit une première extraction à froid, puisque l'huile est mieux valorisée en pression à froid. Les graines oléiques, donc un C18 hein, minimum à 80% et puis linoléique minimum à 40%. Un taux de protéines élevé, donc ça c'est ce qui est recherché aussi pour les tourteaux avec des teneurs en acides aminés soufrés, hein, méthionine et méthionine-cystine, qui sont des facteurs limitants pour la nutrition animale. Donc ce qu'on recherche, c'est des graines naturellement riches en protéines. Et puis pour le tourteau, une partie du tourteau qui est décortiquée pour faire du tourteau high pro. Donc sur le soja et le tournesol. Donc d'abord le soja, donc 12% d'huile dans la graine de soja. Donc il est valorisé, enfin cette huile est valorisée en nutrition animale. Voilà, donc l'offre est un peu supérieure aux besoins en ce moment, donc un peu de déclassement, mais c'est des faibles volumes. Le tourteau, c'est 76%, donc là il y a une demande importante en tourteau de soja, concurrencé bah, par des tourteaux d'importation. Et la coque, donc c'est que 3%, donc qui est valorisée, donc c'est pas des gros volumes, mais qui est valorisée en nutrition animale. Ça, c'était pour le soja. Pour le tournesol, donc 40% d'huile, donc valorisation en nutrition humaine, donc par le groupe, là c'est valorisé par le groupe Avril sur le marché alimentaire. Donc, comme Claire le disait tout à l'heure, la consommation est plutôt en baisse depuis 6 mois, 1 an. Donc là, il y a des volumes importants. Hein. Et tourteau de tournesol, donc 40%, qui est tout valorisé en nutrition animale.
Et puis la coque, donc 15%, qui aujourd'hui qui n'a pas de valorisation. Voilà, donc énergie bio. Perspectives donc pour le tournesol bio dans l'Ouest dépendront principalement du marché alimentaire, donc de la commercialisation de l'huile bio, qui est un facteur limitant la trituration des graines de tournesol. Évolution des filières animales. Donc, quid de ce qui va se passer aujourd'hui? On voit bien que avec la grippe aviaire qu'on a eue dans nos régions, bon, les vides sanitaires se sont allongées. Et puis aussi, production de tourteaux tournesol iPro bio compétitifs par rapport aux tournesols no pro et tourteaux de soja bio. Et puis, comme je disais, valorisation des coques. Diminution des pourcentages de coques. Donc, est-ce qu'il y aura des nouvelles technologies de trituration demain? Voilà, quid de cette partie-là. Voilà, j'en ai terminé sur la présentation. Merci beaucoup Cyril pour tous ces éléments, ces perspectives. On voit il y a quand même des débouchés qui s'ouvrent hein, malgré un contexte hein, qui est pas qui est qui semble pas très favorable en tout cas pas en tout cas rempli de nuages. Alors, est-ce que tu peux revenir juste sur deux définitions les tourteaux high pro et les tourteaux low pro Oui. histoire que tout le monde ait le même vocabulaire hein, dessus. Ben les tourteaux high pro, c'est des tourteaux qui sont décortiqués. En fait, on enlève la coque de la graine de tournesol pour les triturer. Ok, merci. Alors, petite question sur l'itinéraire technique ben, du comment s'appelle du tournesol hein, que les agriculteurs hein, qui participent à la filière Terrena mettent en place. Est-ce que c'est du tournesol qui est cultivé en pur? Est-ce qu'il y a des associations qui ont été testées, des associations Luzerne notamment? C'est le sens de la question. Non, il n'y a pas d'association aujourd'hui en tournesol. Mais alors pourquoi pas demain? Pourquoi pas demain, hein, voilà. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, le tournesol est fait en pur pour la Alors, collecte en pur, Terrena. d'accord. Et puis le désherbage mécanique, hein, Voilà. évidemment, pour la gestion des adventices. Pas forcément beaucoup, beaucoup de questions dans le chat. Donc j'ai bien noté ben, le comment que s'appelle les différents petits points que tu as soulignés pour la sécurisation de la filière, notamment tournesol. Le premier point, les semences bio. Effectivement, si on n'a pas de semences bio, c'est difficile de pouvoir derrière en semer et en récolter à la fin, bien évidemment. Et très intéressant derrière, effectivement, la partie sécurisation des petits potentiels, où effectivement, on sent bien qu'il y a du gain, probablement par la maîtrise de l'itinéraire technique, hein, une bonne partie de développement, d'aller gagner du potentiel. Alors, sur la partie Sud-Loire, mais aussi Nord-Loire, derrière, avec ce qu'on peut faire de la génétique, et puis des sommes de température qu'on peut avoir. Et ben, en l'absence d'autres questions, et ben, je vais clore ce webinaire. Alors, bien évidemment, merci à tous, à tous les participants, bien sûr, à tous les présentateurs hein, d'avoir participé à ce webinaire. Évidemment, merci à tous ceux qui ont assisté, qui ont participé via question ou juste qui ont assisté tout court. Prochains événements à venir, ou en tout cas un petit peu de pub, les troisièmes rencontres des grandes cultures bio qui auront lieu le 7 novembre 2023 à Paris. Donc c'est un petit peu un save the date, mais n'hésitez pas à bloquer la date dans vos agendas. Avec pour programme, quelles ambitions bah, pour les enfin, et quel challenge pour le bio de demain? On a vu qu'on avait besoin de visibilité à l'échelle vraiment de toute la filière, et là pour le coup de la filière bio au sens large, et pas que oléoprotéagineux. Les états des lieux de toutes les filières des grandes cultures et des résultats de recherche sur les couverts végétaux et la fertilité des sols en agriculture biologique. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon appétit et une très bonne fin de journée. Au revoir.